Bonjour, ouf! Wow, vous n'étiez pas prêt, moi non plus. Bonjour. Mauvais bouton. Comment ça va? Salut et bisous. First vengeance d'hier. Non, mais t'étais pas là hier, t'étais pas là hier. Écoute, tu as cassé ta streak. J'ai encore le petit dernier à la maison, mais sa mère va l'envoyer chez la nounou tout à l'heure. Là, il ronfle, j'entends depuis le sang. Oh, du coup, tu vas être peinard toute la journée. Les autres sont quoi? Sont aussi chez la nounou ou ils sont encore à l'école? Pour info, il s'avère que de suivre les tutos de Blender pas totalement dépassés, ça aide vachement. C'est vachement moins galère de ces fonctions et qui existent. Ouais. Ouais, si tu peux, essaie de trouver des tutos qui sont au moins 2.8, sinon 3.0, quoi. Ah, fier! Ah putain, toujours la caméra à l'envers à cause du gaming. Oui, hop là. Je suis éclaté. Donc je suis éclaté, hein, j'ai mis énormément de temps, une demi-heure. Ça m'arrive jamais à sortir du lit. Merci Tita, hein, qui m'a aidé un peu. Hop. Ah, les autres sont à l'école, c'est jusqu'à quand? C'est quasiment fini. Bon. Je sais pas si vous avez vu l'image que j'ai mis en tweet. Je peux l'ouvrir là, sinon. Open. J'ai amélioré les lumières. Ah, un petit peu trop d'ailleurs, faut que je baisse un petit peu, mais. En fait, j'ai mis un sun qui vient du haut. Qu'il faudra peut-être que je réoriente un peu, mais avant c'était comme ça. Et c'était un peu plus triste. Même si les éléments ressortent un peu plus du décor, mais je pense qu'il y a un entre-deux à trouver entre les deux. Là c'est peut-être un peu cramé. On va faire ça vite fait. Je mets 3, si je mets 2. Deux, c'est bien. Deux, c'est bien. Et à lui aussi. Ouais, voilà. Et je pense que par contre, ils avaient choisi jaune, mais jaune sur jaune, ça marche pas très bien. Donc je pense que je vais mettre en rouge. Les matériaux là. Voilà, comme ça. Ah, je peux pas copier. Là, dans le shading ici. Voilà. Ça ressort un peu plus, c'est un peu plus sympa. Peut-être que je mettrais du bleu d'ailleurs, qui vont avec, qui sont complémentaires. Les phrases d'intro, couscous royal, les voxels de l'amour. Les vacances commencent, ah, jeudi prochain. Et le sol en rouge. Bah non, faut que ça donne quand même l'impression que c'est du sable ou je sais pas quoi. On va rouvrir les refs. Il a fait une petite texture sur le sol. Le fameux Ghetto Blaster. Cursor to World Origin. Alors, comment on va le faire? J'avais vu une plage au sable noir et rouge. Ah ouais? Ça doit être joli. Sûrement une plage volcanique. Mais que en vidéo alors fake peut-être. Alors du coup, on peut se mettre comme ça. Y.
allonger un peu. Et l'augmenter un peu. Je suis toujours sur le 3D curseur. Okay. Hop. Ok. Peut-être étendre encore un peu. Je vais chercher un petit paquet de mouchoirs, je reviens de suite. Ah, elle va mieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire debout? Enfin, je vais le mettre en mode miroir. Pour faire les baffles. Pour faire les baffles, comment on va faire ça? Non, enfin, je le fasse directement dedans, mais comment? Hop, comme ça. Nova, non. Mais là, sur la panière. Du coup, t'as appris quoi sur Blender et le bisu? Oula. Comment je pourrais faire ça proprement? On sait quoi? Modifier. Hop. Ouais, c'est bon. Ça, je peux travailler que sur une moitié. Ça ira bien. Ou alors, est-ce que je fais un
Truc comme ça. Ok, bien. Salut, Grom Grom. Putain. J'arrive à rien ce matin. Je suis dans le mauvais sens, hein, ça me semble. Hop là. Alors j'ai appris à faire des petits cubes sur des bipèdes rectangles, à tourner le tout dans l'espace, à tourner autour de la scène et que le rendu plante sur PC. Ah merde, attends, je fais les sous-éléments sur le portable et le rendu sur le PC de bureau. Si du rendu j'ai à faire. Ah bah c'est le propre du truc après de faire des rendus. Du coup je fais ça, ça. Select. C'est dans quoi déjà? Knife Project. Sauf que ça fait des N-gones dégueulasses. Comment je pourrais faire pour creuser proprement un cercle dedans? Après ça, je peux en faire ce que je veux, mais... T'as joué avec Photoshop hier soir? Pour faire quoi? Pour faire des textures? Oula. Attends. Pas une option non non plus ah je me souviens qu'il y avait une option pour ça reste collé au bord si jamais il y a un mode miroir ah faut que je rate ça au niveau de l'inset. Inset Blender Mirror Mode. Comment ça va, Grom Grom? In all case, the right to face is set before inset. Pro. Ah, c'est ça, c'est Boundary. Voilà, un truc comme ça, c'est bien.
Alors, je clean ça du coup. Ok, et le petit porte-cassette. Bon, je passe ces petits boutons sur le dessus après. On est le premier facturation client, passionnant. Bon courage à toi. Est-ce que je fais le petit porte-cassette qui sort? C'est quoi pour mettre selon un angle? Ah. Porte-cassette, on va le faire. On va le faire ici. Ok, super, on recommence. Voilà. Ouais, j'ai fait un truc trop timide. Hop. Hop, et là, ensuite. Hop, voilà. Truc comme ça.
Je m'en fous de le placer de toute façon exactement. Ouais, ça ira bien. Des bords un peu arrondis. Ah, je sais ce qui me manque. Tac. Il n'est pas activé. Voilà. Pour voir bien les edges et tout. Oula, par contre, j'ai un espèce de grain dégueulasse. Oh, j'ai un espèce de grain là. Coucou Florichon. Pas sûr que ce soit super clair mon schéma. Ah oui, tiens, je voulais. Je l'ai ouvert, mais je l'ai pas vu ce matin sur mon Discord qui a déconné. Bim, bim obstacle 1, bim obstacle 2, bim obstacle N1, multiplicateur bim, blazed.bp, BMP. Ça, j'étais pas parti. Ouais, s'il fallait s'occuper du patio. Bonjour, The Lord Octo, bienvenue à toi, j'espère que tu te plairas ici. Bonjour, bonjour. Ouais, donc j'avais bien compris ce que tu voulais dire. Bisous. Je chipote les deux engrenages pour insérer la cassette. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais il me reste plein de. Alors plein de détails à ajouter sur ce truc-là, en fait. Ouais, les deux pitonio là. Est-ce que si je fais H, ça le cache? Ah, super. Ouais, le petit bitonio ici. C'est quoi? C'est une sorte de. Sorte de cylindre. Je vais le faire exprès plus gros pour qu'on puisse le voir. Tu fais de la 3D pour le moment, ça me plaît bien. Eh ben, le matin, ouais, on fait un peu de 3D. Normalement, j'essaie de faire deux fois par semaine. Parfois plus, parfois moins. Hop, voilà. J'aurais même pu le faire plus gros, tiens. Le but, c'est pas forcément que ça soit réaliste, mais qu'on comprenne les détails. Ouais, bien vu, hein. Bien vu, Grom Grom. Les grilles devant les haut-parleurs devant pour le côté ghetto. Alors, une grille, je sais pas. Maintenant, je sais pas comment je peux faire une. Je suis pas sûr de faire une grille. Sauf peut-être en texture. Ça, je verrai ça dans un second temps. Là, je regarde tout ce que je peux faire en mode miroir avant de l'appliquer.
Ah, je suis en verrouillage. J'aimerais bien qu'il me le fasse pas, ça. Mais ça, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Les engrenages sur le côté des lecteurs de cassettes pour le frein d'ouverture. Merde, je m'attendais. Est-ce que tu galères et tu me fais ça en deux tours de main? Oh bah, j'ai mis un cylindre, hein. C'est extrêmement bateau. Mais vu que ça sera un petit truc en bas. Mais peut-être pas. Non, c'est bien ça, une bonne idée aussi. Là? Je sais pas si on les verra. À la limite, ce que je peux faire là. Ce que je peux faire, c'est un truc comme ça. Attends, hop, et tu fais de la 3D, The Lord Octo aussi? Voilà, je peux faire un truc comme ça. Il y a 3 semaines. Au moins, tu vois, le niveau que j'ai là, il date d'octobre. J'ai commencé en octobre et j'en fais de temps en temps. Alors, attends. Incrémente. C'est quoi incrémente? C'est pas la grille? Ah, Absolute Grid Snap, il est là. Hop là. Salut la Ourou. Comment ça va? Et la Blender justement. Ah bah ouais. C'est le plus accessible aussi. Je dors à moitié le JDR, ça me flingue. Tu m'étonnes, ça s'est bien passé? Bah toujours la fatigue, mais ça va. Les trucs moches. Je teste de faire mes musiques avec le bevel pour faire des créas. En fait, l'astuce c'est de supprimer ça. Hein? Ensuite de faire ça. Je dis
Comme ça, et ensuite, vous allez voir le talent. Le mec qui se prend pas pour du caca. Oui, ça s'est bien passé, mais ils ont été un peu bourrins. Ah, comment ça? Ah oui. Qu'est-ce qu'il me fait? Allô? Wow! Je veux que ça soit collé au bord là. Comment je pourrais faire ça proprement? Ouais, c'est bon. Ok, et donc là ensuite. Ah, il me les a pas extrudés. Ok. Extrude individual face. Voilà, et là normalement. Voilà. Tada! C'est comme ça qu'on fait des boutons, qu'on fait plein de boutons facilement. Finalement, le dev, ça, le dev, la 3D, c'est un petit peu comme le dev, j'ai trouvé. Faut apprendre à être feignant, faut utiliser les bonnes techniques aux bons endroits pour être feignant. Ils ont buté un perso, ils avaient la possibilité de l'utiliser ou d'en faire une amie. Ils ont par défaut considéré que c'était une ennemie alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien à lui reprocher au début. Du coup, il va y avoir une discussion, je pense, entre PJ du groupe parce que c'était pas l'avis de tout le groupe. Mais ça fout pas en l'air ton scénario ou si? Non, c'était un autre scénario. Ok. Ah, mais il m'emmerde ce truc. Elle m'embête la hanse. Voilà. Plus de hanse, plus de problème. Hop.
Et là-dessus, truc comme ça. Celle qui voulait pas du tout la tuer s'est bouffée une intense vague de magie nécrotique pure parce qu'elle a cassé un truc cristallin contenant beaucoup. Ça, c'est moche. Coupure de jus. La boxe, ça va. Ah merde! J'avais par niveau. Aux petites oreilles. Hop. Voilà. Ok. Comment ça ressemble à quelque chose? Du coup, tu modélises ce poste radio pour un projet précis. Alors attends, regarde. Hop. Alors en fait, non. Je modélise des trucs que m'ont soumis les viewers. D'ailleurs, si tu as une. Tu veux soumettre un petit objet, enfin un petit objet, un objet pas trop complexe. Déjà le Ghetto Blaster, là finalement c'est pas mal. Pour que je le fasse, n'hésite pas. Là, ça doit trouver mon dossier. Parce que l'idée c'est d'un peu de tryhard de différents objets, tu vois. Pour m'entraîner, donc le soumis, exactement. Je suis complètement soumis à ce que vous me proposez. Donc du coup, on a commencé par un transat, puis après il y a eu verre épiché, un baril en bois, un parasol, un casque audio. Et là je fais le Ghetto Blaster. Après il y aura une planche de surf. Donc voilà, moult choses. Est-ce que Et mon poisson mural, il est où? Non, pas de poisson mural. Trop détaillé, trop organique. Compliqué à faire l'organique. Du coup, là. Oula.
Bon, je pense que ça ira bien pour le mode miroir. Ceci dit, ça existe. Tu n'as pas essayé le sculpte pour les formes organiques? Non, je m'y attaque pas de suite, les formes organiques. C'est vraiment... C'est un milieu à part en lui-même. C'est une façon de faire compliquée, donc non, je m'y essaye pas de suite. Ok. Hop, allez, il n'y a plus de mode miroir. Est-ce que je vais réussir à... déplacer ça un petit peu? Ah ouais. Par contre, je suis pas sûr de réussir à le dupliquer. Je voulais en faire un deuxième. Vas-y, dis toujours. Un peu plus complexe. Écoute, je le note, mais j'aurais plutôt pensé à un plus petit objet en plus qui rentrerait dans le cadre là. Mais écoute, ça peut être intéressant. Un petit typé bar top. Comment ça? T'as un exemple sous la main? D'accord, je pourrais dupliquer ça pour que ça. Quand tu poses sur une table ou un plan de travail. Ah, si vous avez une photo, quelque chose, ouais, je trouve ça, ok, ouais. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Ah, si, tiens, le dos. Le dos là. Pourquoi il en veut pas? Pourquoi il n'arrive pas à prendre ça comme une grande face? 5 vertices? Ah, à cause de celui-là.
Je peux poster un lien? Oui, vas-y, bien sûr. Vous voulez une preuve que l'onde va mal? Même le DOP, il pique les yeux maintenant. Faut pas se laver les yeux avec, avec du DOP. Ah oui, en petit, oui. Oui, en fait, le caisson du bas, c'est pas le plus compliqué à faire. Putain, c'est chiant, je peux pas voir, hein, copier l'image. Faut que je l'ouvre ici. Hop, je le mets là. Un miracle box, ouais. J'ai trois rasp à la maison et un dans un minitel transformé en arcade. Non, j'en ai pris une au pif. Comme ça. Merci, Re-Christopher, pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu te plaira ici. Ah, super, ouais, ça marche. Voilà, comme ça je savais pas quoi faire derrière, et puis j'ai vu le truc là, ici là, je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'est vrai qu'en bas j'étais pas obligé de faire un angle arrondi. Pourquoi j'ai fait un truc qui rentre autant ici par contre? Oula, attends, non, il y a eu un souci. Ouais, c'est ça que j'avais fait. D'ailleurs, il y a les piles. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais on le verra pas de toute façon. Je vais le mettre de face. J'ai fait tourner la mienne pendant 2 jours de mon mariage il y a 3 semaines. Ça a super bien tourné. Les invités se sont éclatés. Et ben, félicitations à toi pour ton mariage. Déjà. Ok. Ah. Non, il rentre dans le truc en bois. Sinon, tu as une plage, tu peux faire un cabanon de plage. Je sais pas s'il sera pas trop grand. Parce que... Ta mini borne d'arcade sur le tonneau, il irait bien en fait. Elle irait bien. Même pas une antenne dessus. Putain, faudrait que je fasse un fil et tout. Trop la flemme.
Une antenne. Hein. Comme ça? Oui, tu as un angle de caméra restreint pas mal. Oui, je me suis mis un angle de caméra. Hop, elle est là. Trop fort, t'as vu ça? C'est comme ça qu'on fait illusion. Voilà. Et le rapide quand je parle, ça marche. Le Ghetto Blaster, normalement, c'est pour toi, pas pour tes voisins. Alors j'ai pinaillé, mais. C'est-à-dire El Bizu. Tiens, d'ailleurs, je pourrais le mettre aussi sur le. Sur le tonneau. Par contre, je me fais une réflexion. Il est pas un peu petit? Non, si, peut-être un petit peu. Un peu mieux. Voilà. On fera les couleurs plus tard. Hein. Oui. Là, c'est pour la modée, mais effectivement, oui. Oula, mais qui me spam?
C'était quoi après? Je crois que c'était le surf. C'est le surf de la roue. Ouais. Planche de surf. Bon, je vais juste regarder vite fait pour avoir les proportions. Une planche de surf. Ça va pas être très très compliqué normalement. Attendez, je récupère 2 secondes. Merci The Lord Octo pour ton flow. Bienvenue officiellement à toi. Attendez, désolé, je lis un truc. Hop. 2 secondes. Pour la chaise, tu as fait une planche à laquelle tu as ajouté une texture de tissu. Pour la chaise, tu vois, c'est ça. C'est juste qu'elle est en smooth. Tu vois, si je mets en flat, tu vois que c'est juste un truc avec un bevel pour faire un arrondi. Et la texture, ouais, je l'ai faite via une texture comme ça en fait, tu vois. Un petit color ramp. Et puis c'est bon quoi. Pour juste donner l'aspect rayure, tout simplement. Vous savez quoi? Petite pause maintenant, plutôt que vous ne voyez rien faire pendant 5 minutes. Hop, petite pause maintenant, on se retrouve juste après, à de suite. Heureux! C'est un peu le volet. Hop là! Dieu merci de chat être mauvais pour la prod et les interactions sociales. Ok, allez, let's go. Bon, cube, ça devrait le faire. D'accord, je pourrais faire ça. Tu feras un bel arrondi. Faudrait un bel arrondi. Je sais pas comment je pourrais faire ça proprement.
Même si je fais ça. Ouais, mais non. Non, je veux quand même l'arrondi ici. Est-ce que je peux choisir à quel point. Ah, je sais pas. Un truc comme ça. Oh merde, le scale. Snap sur les vertex. Hop. Voilà. Et ça, un petit scale. Là aussi. En fait, tout autour. Merci Fanny, Fanny Ri pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas ici. Mais du coup là je réduis tout. Ça veut dire qu'ici. Et là il faudra un incent. Un truc comme ça. Ensuite là. Ça a l'air pas trop mal comme ça. Oula, je suis où? Où est-ce que j'habite? Ok. Ah, ils sont tous partis au café, là, il n'y a plus personne. Quand on attache celui. Je sais pas où est-ce qu'il est le cordon, comme tu dis.
Ah oui, le truc en bas. Hop. Hop. Et la wax? C'est quoi la wax? Le cordon, je suis pas sûr de le faire. Hein. Le petit aileron, bah le petit aileron, il est derrière. Parce que techniquement, c'est pas où je la mets, mais... Si je la mets comme ça, tu vois. La wax te permet de pas glisser sur ta planche. Ça ressemble à ça. Wax. Oups, je suis en caps lock. Ah d'accord, ah, c'est un produit que tu mets dessus, ok. Ah c'est ça qu'ils font. On dit bonjour avec ça là d'abord. Les matières, c'est la wax que je préfère. Ah, faudrait savoir, ça permet de pas glisser sur la planche ou ça permet que la planche glisse sur l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas une différence entre le fait la wax et le fait de farter sa planche? Je vous reprends de suite, j'ai un appel.
Merci Guada Santa pour ton follow, je reviens de suite. Oui, un, deux, oui, c'est bon, allô, oui, bon, bah, désolé, me revoilà, oula, trop de cheveux. Non, ils tiennent pas, tant pis. Désolé, c'était l'appel de la notaire, parce que comme vous savez, je déménage, j'ai cette maison et je déménage bientôt, donc on signe lundi, et voilà, appel de notaire pour confirmer, transfert de gros sous et tout ça, enfin, transfert de gros sous, transfert du prêt surtout. Du coup, merci Guada Santa pour ton follow, bienvenue à toi, j'espère que tu te plairas ici. Si on fait de la 3D, on fait du game dev, on fait un peu de gaming. On fait plein de choses. Stagiaire café. faut respecter les stagiaires un peu là. Bon, ça va la planche comme ça là. Ouais, bah voilà pour la planche de surf. Hein. Ça aurait été succinct là au roux. Je sais pas si elle est toujours là. C'est vrai que c'est assez facile à faire. Oh, un château de sable. Un château de sable. Oh la vache. Il y a vraiment des dingueries. Hein. Je vous partage ça. Ça me fait halluciner les gens qui font ça. Genre la chute d'eau quoi. La chute d'eau. Easy les châteaux de sable. C'est Poudlard ça ou quoi? Ça ressemble un peu à Poudlard. Grave, je suis pas très stagiaire bashing. Oui, non, moi non plus. Voilà. Ça, c'est plutôt ce que je faisais, moi. Pour respecter les stagiaires. On dirait le château en Allemagne. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça fait très, très château autrichien allemand. Mais non.
À taille humaine. Mais comment les trucs aussi fins ça tient? C'est pas possible, le mec il a mis du ciment dedans. Celui qui a servi de base pour celui de la belle et la bête, il me semble-t-il. Ouais, très certainement. Humour, hein, sont très heureux de s'agir chez nous. Ouais, je sais bien, mais. Mais. Je sais pas, ça participe un peu à, t'sais, au côté stigmatisation des stagiaires. Hein. Je comprends que ça c'est dit sans méchanceté. Putain, mais. Pfff. La dinguerie, quoi. Coucou, Lions Banner. Je crois. Ils prennent tout le sable de la plage pour faire ça. Ouais, c'est ça, ils ont du sable spécial. Oh putain, Caterpillar. Hein. Non, juste 4, pas Caterpillar. Caterpillar, c'est les chaussures. Voilà, moi je faisais ça. Moi, c'était à peu près mon niveau, là. Oui, avec de la chaux et du ciment, là-haut. N'empêche, tu sais, c'est trop une. Alors, c'est méchant, hein, mais c'est trop une vacherie à faire, tu sais, pour niquer tous les gamins là qui aiment bien écraser les châteaux. T'en fais un avec du ciment dedans. Comme ça, ils sont là. Ah, je vais taper tant! Boum! Ils se démontent le pied, je peux te dire, ils le font une fois. Est une marque dont le logo est 4, ça concerne les chaussures et peut-être. Ouais. Ça sent les vacances. Il y a de l'huile ou du silicone dedans. Oh, du silicone. Oh. Oh, joli avec la lumière. Généralement, ce sable est filtré pour avoir un grammage régulier et donc un meilleur maintien. Ça a bien été ça. Ah non. Vas-y. Construction sur sable. Ah. Plage. Ah, sculpture, voilà. Sculpture sur sable. Sculpture. Perso, je mets des cailloux dans le château des petits. Putain, c'est cringe. C'est stylé, hein, mais. Je reconnais ça, c'est Aladdin. La vache. T'imagines, tu sais, tu trébuches, tu te rates, tu mets un gros coup de main dedans, bah t'es niqué. Non mais les dingues. Ah, le Sesame Street. Kermit. Les Cookie Monster. T'as le pli dans les mains. J'avais vu un gars faire une pyramide avec le détail des briques, c'est impressionnant. Tu m'étonnes. On était sur un fan de Disney, hein. Après Aladdin, on a le livre de la jungle. Oh là là. Game dev 3D et sculpture de sable, c'est ça. Reconversion. Ah bah là, il y a Pinocchio. Je reconnais. Je suis très Disney. Hein. La Cité des Libertés qui va rouler une galoche. Mais. Merci, Katana Replay. Katana Replay, pour ton follow, bienvenue à toi. Bonjour et bonjour les gens, je vous découvre, vous allez bien. Eh ben, découvre-nous. Bah, je vais me découvrir, hein, du coup. Non. Mais merci, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Ah, je me suis perdu sur les sculptures sur sable, là. Ah, voilà, le Roi Lion. Je sens trop les gens derrière le chat, trop trigger là.
J'arrive pas à m'empêcher de scroller, c'est trop stylé. J'espère que tu te plairas ici. Ici, on fait de la 3D, normalement, hein, quand je glande pas sur Google Images. On fait un peu de game dev, on fait un peu de gaming aussi. Oh. Petit crapaud. Un petit Bouddha. Donc ça, à la limite, c'est ce que j'étais capable de faire, et encore. Hein. Je dis rien depuis tout à l'heure, mais je me dis, il y a un décalage son-image. Non, je crois que c'est bon. Fais un petit F5. Le sable aspire ton âme. Ah, bravo. La page n'est pas une poubelle. Pas mal celui-là. Regarde la taille du machin, regarde, par rapport à la taille des gens. Ah, je dis rien depuis tout à l'heure, mais je me dis qu'il y a un décalage son image avec les rêves Disney. Eh ben super. Ah, et donc ça c'est réponse. Voilà. Oula, elle tire la gueule, Anna. Hein. Pas très très bien réussi là pour le coup. Putain, c'est stylé. Oh non, mais maintenant ils font des trucs dans l'eau quoi. Oh, ça marche tellement bien. Faut que je m'arrête. Faites-moi arrêter. Putain, en mode pièce de puzzle. Mais c'est trop classe. Je reste pas longtemps, je suis de passage. Bon live à vous et passez un bon week-end. Bah, des bisous, Katana. Ah ouais, donc là on a le niveau au-dessus. Ils peignent sur les sculptures. Quand j'étais petit, je faisais un bonhomme de sable avec mon papa dedans. Oui. On s'est tous fait enterrer quand on était petit. C'est plus facile quand t'es petit. Vraiment le fan de Disney. Oula. Oula, ouais, non, les visages. Les visages, c'est pas son fort. Hein. Je crois que là, on est sur du Johnny Depp. Et là, c'est un Orlando Bloom avec un front immense. Et Keira Knightley, elle est un peu cursed là quand même. Presque envie d'en faire une emote. Si tu modélises ça, ça prend du temps, c'est clair. Oh, c'est stylé. Il y a un côté très Guillermo del Toro dans l'univers. Tiens, il y a un Willy Wonka qui s'est caché. Crack Sparrow. Mais non. Ah ouais, alors les trucs qui tiennent, par contre, c'est pas possible, il a mis du fer dedans. Avec ma meilleure amie, on utilisait le sable pour modifier nos corps avec le sable. Genre, je lui ai fait le bas d'une sirène, m'a fait un scaphandre de cosmonaute. Un scaphandre ouvert, hein, j'espère, parce que sinon. Allez! Oh! Putain, il est stylé. C'est le film, ça, je crois. Le film qu'ils avaient sorti, Alice au Pays des Merveilles. Avec l'espèce d'œuf chelou, là. Putain, super stylé, celui-là. La personne s'est même fait chier à faire un espèce d'effet Lopoli, quoi. Allez! Château de sable nul. Oui, ouvert. Pour la page, sinon tu vas y passer la journée. Je me suis déjà fait avoir, mais de ouf. Donc, oula, je suis dans la caméra. Je ferai pas avant les couleurs de ce truc là. Bon, on verra plus tard. Château. Touk, touk, touk.
Je sais pas si je vais partir sur le château de sable en fait. Parce que je suis pas forcément sur une plage et ce qui fait le château de sable, c'est surtout sa texture. Du coup, je sais pas si château de sable, c'est très très pertinent. C'est vu que je voudrais faire du texturing assez simple. Ouais, texture de type sable. Bon, tu fais du grain après, c'est pas... je suis pas sûr que ce soit très très compliqué. Tu fais un seau en forme de château de sable. Ouais, je fais le seau qui permet de faire le château de sable. Peut-être faire ça plutôt. Ok. J'ai chaud. Un requin mur. Tu arrêtes? Y a pas de mur en plus, Chrome Chrome. Ah oui, non, ok, c'est ça que je voulais faire. Ouais, voilà. Hop, hop, hop. Avec le petit râteau à côté. Évidemment, la petite pelle et le petit râteau. Comment ça s'appelait ce truc? Je fais des petits créneaux ou pas? Non, j'essaie de rester simple. J'essaie de rester simple. Au moins faire ça. Comment faire des coraux? Hop, voilà. Vous allez voir où je vais en venir. C'est bon, je les ai tous. Je les ai tous.
Edge data, bevel 8, tac. Alors. Pourquoi ça marche pas? Allez, je vais valider mes factures. Fold foot, fold cuisse dans ces moments-là. Bonne journée et bon week-end à tous. Bah, si on te revoit pas plus tard, ouais, bisous, comme quoi. Bon week-end à toi. Chouchou. Ah. Pourtant, je suis sur des edges. Pourquoi ça marche pas? Bah alors? Je fais ça à chaque fois, ça marche. Ça le fait partout. Non, ça sert à rien. Même si je mets des valeurs aberrantes, ça ne fonctionne pas plus. Chamchoul. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça marche, Katana. Maître du bevel. Tant pis. Pire, je fais pas du bevel, ça restera assez sharp. Ça restera assez sharp. Alors. Hop. Des edges doublés, tu crois? Bon, non, j'ai pas l'impression. Non, une edge. Non, non, normalement, c'est bon. J'ai pas fait d'extrude foireux, normalement. Alors, pelle, château de sable, les petites pelles. Je sais pas d'où ça vient ce délire d'ailleurs de faire des châteaux de sable. Ça aurait pu être plein de trucs de ça, mais pourquoi des châteaux? Moi c'est pareil, des fois ça ne fonctionne pas, je comprends pas pourquoi.
Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Tu sais que t'es devant l'écran. C'est l'heure de l'instant chat. Rien à faire. Ah, vous êtes là. Ça va le chat? Tu veux pas t'avancer un peu? Oui. Attends. Comment je peux faire ça efficacement? Un générateur de follow? Quoi? Ah tiens, un générateur de follow? De quoi tu parles? Ah, le chat. J'aimerais bien que ça me le fasse depuis le bord là. Je sais pas si ça marche très bien avec ça, on va voir.
Pas sûr que là. La subdivision, c'était la meilleure idée. Pour le manche, c'est bien, mais le reste. Oh, en vrai, ça va. C'est un truc que j'ai toujours peur de travailler avec la subdivision. En vrai, ça va. De comprendre ce que je vois. Est-ce que je passe encore trop de temps sur les détails? Oui. J'aimerais bien réduire le. L'épaisseur là, je sais pas sur quel aspect je. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, je sais pas. Et oui, maintenant que j'ai fait l'extrusion, ça risque d'être compliqué. Peut-être juste. Allez! Bon. Je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal. Oula, pourquoi c'est tout plat derrière? Pourquoi c'est tout plat? Il y en a un en trop. C'est lequel? Celui-là.
Ouais, voilà. Bon, allez. Ah oui, il y a la petite anse normalement. La petite anse, comment on va la faire? On va la faire simple. Hop. Ah ouais, mais avec la subdivision, est-ce que ça a bien marché? Si je fais ça. Change rien. Oh, un sandwich à l'appel. Un sandwich à l'appel? Voilà, une pelle aussi grande que le surf. Un donut de bagel. Ah! Mais non, c'est la hanche. Et voilà. Bon, le petit râteau, je sais pas si c'est nécessaire, mais peut-être réduire un peu le manche quand même. Ouais, c'est mieux. Ok. Vas-y, on va faire le texturing, plus ou moins.
Surfboard. Hop. Roughness. C'est assez brillant une planche de surf quand même. Non. Oui. C'est même très brillant. Je vais faire bleu au centre et bleu sur les côtés. Comme ça. J'ai en train de dire hier de remonter tout ça à la bagnole. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bonjour. Salut Thomas Bodo. Comment ça va? Hop. Pareil, full plastique. Shovel. Castle. Full plastique. Où est-ce que je suis? Un bon verre. Putain, alors le spéculaire, je sais jamais. Alors sur celle-là aussi. Ouais, je sais pas. Ça va super, vous autres. Il marche bien ton matériel de plastique là. Ah bah, roughness à zéro et puis ou presque et puis voilà. Hein. Il est un peu trop brillant là, je trouve. Ouais, voilà. Là, ça fait un peu plus plastique. Hein. Il est plastique. Tu t'en sors avec ton nounours, Tomobudo?
Ton Bodo, il fait aussi de la 3D. Pour ceux qui n'ont pas vu dans le channel créative. J'aime beaucoup la dernière itération que t'as fait avec... Avec son petit t-shirt. D'ailleurs, t'en avais marre qu'il soit à moitié à poil. Je vais faire mon relou encore, mais il manque le grip sur la planche. Oui, mais c'est en train d'absorber mon âme. Comment ça? Ok, il a trop une bonne bouille. Putain, mais... T'as du courage pour faire des trucs organiques. Ah, j'ai pas vu que tu lui avais mis des griffes. Ah, ça fait bizarre. Ah, je crois que je le préférais sans griffes, tu vois, par contre. J'aime trop, je veux en faire tout le temps. N'est-ce pas, hein? Il y a un petit côté addictif. C'est quoi ce que t'appelles le grip et le bisu? Le créatif, c'est addictif. C'est addictif, mais c'est assez épuisant pour le cerveau. Alors... Plastique ou métal? En métal, comme ça, il sera bien brûlant au soleil. Et ça... Ça, je sais pas comment je vais le faire, tiens. Je fais une itération sur les proportions, je pense que je vais en rester là sur la silhouette. C'est quoi déjà les enceintes? C'est subwoofer. Hein. Caisson de basse, ouais, c'est ça. C'est pas le bon terme, c'est pas grave. J'ai envie de faire 50 trucs de toute façon. Hop, hop, raté, hop, en fait je m'embête pour rien, c'est des objets à part donc je peux faire ça, ça, et ça. Je peux faire aussi avec ça et ça.
Hop. Ah bah oui, la vue hein, comme ça, elle marche plus. Ça. Ok. Voilà. Ouais, j'ai mis des griffes, mais bon, je sais pas, sans j'ai l'impression que ça manque avec, ça me plaît pas de ouf non plus. Ouais, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Ouais. Attends, je l'avais pas vu avant, mais. Après, c'est que mon ressenti, hein. Hop là. Voilà, bon, je lui rajouterai des détails plus tard. Hein. Si j'ai envie. Un peu flashy, quoi. Sympa la boombox, comment t'as fait les trous pour les speakers? J'ai voulu faire une Game Boy. Quand j'ai commencé les trous pour les boutons, mon maillage est vite devenu dégueulasse, j'ai laissé tomber pour l'instant. J'ai utilisé le Knife Project, tu vois ce que c'est? Tu vois, j'ai pas fait un truc très propre, hein. Mais ça fonctionne. Je te fais un petit cours de Knife Project. Tu prends. Bon, tu crées ton. Enfin voilà, ça c'est. Oups. Ça, c'est ta forme que tu veux creuser. Tu crées un autre objet de type curve. Donc moi, par exemple, j'ai pris un cercle. Hop. Je le place bien où je veux sur la vue. La vue est importante, donc. Bon là je l'ai mis à l'arrache, mais si je voulais bien le centrer, voilà, je le centre bien par rapport à la vue. Ensuite je le sélectionne, bon, il est déjà sélectionné, je sélectionne mon cube derrière. Je fais tab, je passe en edit mode du cube derrière, mais on voit que le cercle est toujours sélectionné. Mesh, knife project. En gros ça projette la courbe que tu as utilisée sur ton mesh derrière. Comme ça découpé, hop derrière tu vois que c'est découpé. Tu vois, si par exemple je le faisais comme ça. Ah, mauvais exemple. Si je le faisais comme ça, Mesh, Knife Project, ça le ferait par rapport à la vue. Et ça peut permettre de faire des trucs sympas. Bon, moi, j'en ai pas encore senti l'utilité. Et tu as une option. C'est comme ça que j'ai fait mon. Je sais pas si tu te souviens, mon truc du watt. Attends, je te montre. Open récent. Mon sol, en fait, j'ai fait un. Je crois que je sais plus où est-ce qu'il est. Il est quelque part ici. Enfin, bref, j'avais fait un truc en curve avec mes hexagones et ensuite j'ai projeté ça sur un plane.
Et t'as aussi une option, du coup, si je me remets bien. Là, si je le fais, ça le fait juste devant, pas derrière. Mais t'as une option aussi, Knife Project. Et là, tu sélectionnes Cut Through. Et là, par contre, ça traverse. Voilà. C'était l'instant tuto. Si tu jamais tu veux te le revoir ou pas, je dois se faire un clip. T'es rendu? C'est bon, c'est fini. Oh, je pourrais agrandir la taille de la pelle, elle est un peu petite. Ça va, ça met pas trop le stream en PLS quand je fais un rendu. Avec les deux tapent dans le GPU du coup. Bon, enfin peut-être que je mette un petit peu de détails sur le boombox. Mais mis à part ça, ça va, il fonctionne, hein. N'oublie pas de prendre une serviette. Ah non. Ah quoique, avec le système de close, je pourrais presque le mettre quelque part, mais j'ai jamais utilisé. Bon, ça va, le verre, il est pas dégueu au final. Je l'ai bien corrigé. Le petit pichet aussi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, le château de sable, c'est fait. Ce sera la bonne d'arcade et une glacière. Tiens, Tomobodo, t'avais pas fait de propale, tu veux en faire une là avant qu'on arrête? Comme ça, je la note pour la prochaine fois. Parce que c'est les viewers qui proposent. Hein. Qui, Laoru, elle avait déjà proposé. Et le bisou aussi. Pour cette scène, ouais, c'est une idée d'objet. Pas forcément thème plage hein, d'ailleurs. Les gens sont passés dans le thème plage, mais en vrai, si t'as pas envie de faire un thème plage. Pas de souci. Avec la caméra du rendu, on peut jouer sur l'ouverture. Oui, ah oui, putain. Merci Florichon, je voulais faire ça. Je voulais mettre un petit peu de flou. C'est mon point de rendu, ça. Alors, par contre, je me souviens plus parce que je l'ai fait une seule fois. Non, c'est au niveau de la caméra. C'est la caméra qu'on touche. Je me souviens plus. Ah, Death of Field, c'est derrière, j'ai rien dit. Hop, hop, c'est là. Focus. Voilà. Et tout flou. Focus object. Voilà. Tu peux mettre un petit peu de flou et tout. Et là, après, tu peux changer l'ouverture. Hein. Genre si je mets 0, bon ça serait bizarre, mais si je mets 1, il y a très peu d'ouverture, 2.8 par défaut. Voilà. Ah bah de rien, et j'ai ma réponse du coup. Mais trop bien cette scène, merci Méjon. Un Vespa, un objet un peu plus simple. Ah, tu vois, voilà, comme ça, il y a un petit peu de... On va attendre qu'il ait fini le rendu.
T'as un petit peu de flou derrière. Bon, là, je suis sur un rendu en 1080 avec pas énormément de passes. Mais ça donne un côté un peu plus réaliste, effectivement, Florichon. Ah, merci de me l'avoir rappelé. Putain, je voulais le faire en début de stream et puis j'ai commencé à faire de la modé, j'ai oublié. Petit code d'animation pour faire apparaître les objets, ça serait méga cool. J'ai jamais fait d'animation, mes gens. Je verrai ça plus tard. Mais ouais, il faudrait que je prenne le temps. Par contre, je déplacerai le seau, ça fait beaucoup autour de la table. Mais c'est un truc que, par exemple, dans le what, je trouvais que les éléments étaient trop espacés. Mais ouais, t'as peut-être raison. Bon, après, de toute façon, la composition, elle changera d'ici là. Une mouette. Non, rien d'organique non plus. J'ai dit un truc simple, Tomobodo. En vrai, le Vespa, ça serait cool. Mais, putain, la galère que ça serait. Le petit scooter et tout. Une mouette, en vrai, putain, faudrait que... Je pourrais essayer. Tu sais quoi? Allez, alors je note les deux parce que les deux idées sont rigolotes. Bon, les galets en équilibre, c'est facile. Alors, château de sable, j'ai juste fait le château qui permet de faire le château de sable parce que c'est plus une question de matière. Alors, Vespa, c'est plus compliqué. Mais la mouette, ça se tente. Ça m'entraînera à faire un petit peu d'organique. Et puis, les galets en équilibre. Bon, ça, c'est tout simple en vrai. Ah, c'est quoi, on essaiera la mouette, tu vois. Bah ouais, faut commencer. Ouais, je sais bien. Hop, 5 d'ouverture. Ça y est, le bout du parasol qui est un peu flou. Et les trucs derrière qui le sont un peu aussi. Ouais, j'essaierai, tiens, la mouette. Bah allez, petit rendu. Je suis pas totalement en low poly en fait, mes gens. Il y a pas mal de subdivide à droite à gauche. Ok. Attends, je vais. On va doubler tout ça parce que. Ça rend tout petit. Voilà. Ah, attends. Par contre, il me fait des grands carrés. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Florichon. Vous avez vu, hein, c'est pas de la rocket science, hein. Il a pas aimé que je le ferme. Performance. Ouais, voilà. Des cubes, petit cube de 256. Voilà. Touk, 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 touk. Vous allez travailler sur les petits carrés. Beaucoup de trucs qui servent à rien en bas. Hein. Combien de temps il dit? 40 secondes. Il y en a déjà 30 qui sont passés. 1 minute 10 de rendu. Ah, tu l'as renvoyé du coup, le nounours. Ah, la silhouette est cool, ouais. Il est un peu plus chubby, mais...
Et tu vas réussir à lui filer des expressions faciales, Tomobodo, ou pas? T'as une RTX en CG, mais rendu se faisait sur le CPU. Par défaut, j'ai activé Optix. C'est limite temps réel, c'est ouf. Ouais, je crois que j'ai une RTX. Ah ouais, il y a moyen d'améliorer le rendu. Ouais, normalement, j'ai du RTX. Ouais, RTX, ouais. Tu vas tout rig, ok. C'est quoi Optix? Ah ouais, j'avoue, le vert, finalement, je suis content. Ça fait... Il y a encore un petit côté un peu aluminium, mais... Ah là, je peux zoomer, c'est pas trop dégueulasse. Hop. Puis là, l'éclairage, il est cool, je trouve. Tous les éléments se voient, il y a quand même une lumière. Faut juste que je mette un petit peu de couleurs différentes sur les différentes lights. Parce que tu vois, je suis en... ouais, tu le vois. Je suis en Cycles et en GPU Compute. Mis à part ça. Édition préférence, système, render code Optics. A priori, Optics pour l'RTX pour utiliser le tracing. Ok. Préférence, système, ouais, non, effectivement. Ah, Optics, ouais. Mais du coup, est-ce que ça va pas mettre le stream en PLS? Attention! Ah, j'avoue, ouais. C'était rapide. Ah, c'est plus rapide, hein. Oui, les options s'affichent pas parce que j'ai fait sur OBS, j'ai fait choisir la fenêtre, précisément. Ouais, c'est un peu plus rapide, effectivement. Oui, tout à fait, avec ça là. Le sol sera, je mettrai une petite texture, je pense, de sable. J'essaie de faire un petit grain. Ah, j'ai pas regardé le temps que ça avait pris tout à l'heure. Ah, le dernier, ça avait pris 1 minute 18. Ah, je vais gagner 20 secondes. Ah ouais, faut que je les fasse en 2048 par 2048. Parce que là, j'avais fait des plus petites, justement. Du coup, ça en mode viewport. Ah, vas-y, je vais réessayer. Ce qu'il y avait avant. Je disais pour le... trop bien, faut que je note ça aussi. Le denoiser Optix. Où est-ce qu'il est le denoiser? Ah, denoise. Ah oui, là, il me met en automatique de base. Optix. Et en rendu. Optix aussi. J'espère que ça va pas mettre le stream en PLS par contre, parce que les deux vont taper dans la carte graphique. Ok, rendu. Une minute 5 ça avait pris tout à l'heure. Optix marche aussi pour Nvidia, je sais pas que c'est un Optix, c'est vrai, c'est pour ça que je trouvais que mes rendus cycles sont rapides. Tu m'étonnes. Ouais, il vit du coup, ça va être d'autant plus rapide. Et le denoiser. Donc, je passe 47 secondes au lieu de 10 minutes 5. Ok, effectivement. Putain, merci de la reco, les loulous. Ah oui, il gagne du temps. Hein.
Ok. Et eh ben super. Il est beau le vert. Ouais, t'as vu, il rend bien, hein. J'aurais pas dit. J'aurais pas dit. Pourtant. Merci Tornbull qui nous raid avec 16 petites bulles. Illustration pour la couverture de Pour quelques moutons de plus. Attends. C'est Tornbull que je crois que je sais. C'est toi qui as fait. Oui, quelques moutons de plus, je connaissais pas et j'ai vu ton crowdfunding et je voulais participer, mais trop tard. Oh, j'aime beaucoup ton trait. Ah, je fais le fanboy. Donc, coucou Torn, n'hésitez pas à aller la voir. Quitte à Euroco pour venir me voir. Merci beaucoup pour le raid. Je trouve qu'elle a un trait trop cool et elle a fait un Kickstarter pour sa BD qui s'appelle Quelques moutons de plus. Du coup. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je savais même pas que tu streamais. Tu sais quoi? Je vais lâcher un follow aussi de mon côté. Mais merci beaucoup pour ton raid. Hop. Ah mais j'avais déjà follow ou c'est mon Twitch qui déconne? Non, j'avais pas follow. Hop, c'est fait. Perso, quand j'ai des shaders cool, je mets ça dans ma bibliothèque. J'ai l'asset management de Petit Oiseau. C'est tellement utile. Petit Oiseau. Parce qu'il y a le truc de base, je sais, et j'ai commencé un peu à l'utiliser, pardon. Mais j'ai jeté un œil, merci. Ah, bon, je sais pas si elle est là, Torn. En tout cas, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, tu vois, tu as plein de trucs où tu ronges comme tu veux. D'accord, ok, je regarderai. Ah, ça y est, coucou! Du coup, je sais pas si t'as entendu tout ce que je t'ai dit, Torn. J'ai fait mon fanboy. Je suis là, j'avais juste besoin de vérifier mon compte. Ah, oui, pardon. Oui, je sais. Désolé, c'est pour se protéger. Ah, ça me fait trop bizarre. Bah, du coup, j'avais suivi le truc de loin et j'étais là. Bah, tiens, faudrait que je participe et tout. Et puis, j'ai complètement zappé. Il s'est bien passé d'ailleurs ton crowdfunding. Ah, tu étais à Bordeaux aussi. Enfin, tu es à Bordeaux aussi. J'en suis parti. Il était. Je sais pas s'il est toujours. Ah, je l'ai. J'ai toujours le lien d'ouvert là. Et ouais, on peut plus contribuer. Bah, tu peux toujours acheter le livre, il n'y a juste plus les goodies. Ah, bon. Hop, je vous le drop si jamais vous voulez voir. Avec la petite vidéo notamment, hein, qui est trop cool. Mais je sais plus, je crois que j'ai dû voir passer ce truc-là sur Twitter ou je sais plus qui en a parlé. Et j'ai fait, oh, son dessin, il est trop bien. Puis c'est tout mignon, c'est pipou. Vraiment, ouais, c'est vraiment trop cool. Bon, allez, il faut que je vous laisse. Je suis content de t'avoir découvert et je t'ai foutu au temps de bulle. Bah merci The Lord Octo, repasse quand tu veux. Si tu veux voir à quoi ressemble du développement de jeux vidéo, n'hésite pas à repasser cet après-midi. Et puis, des bisous. Ah, du coup, c'est marrant, ouais, le monde est petit. Qu'est-ce qui t'a fait venir chez moi d'ailleurs? Je dois y aller aussi, merci. Ah, bah merci pour ton follow. J'ai juste curieux de savoir comment t'avais connu ma chaîne. Une reco peut-être parmi tes viewers. Ah, la 3D. Ouais, alors ouais, je me débrouillasse, t'as vu. Je suis pas encore un expert, hein, je fais des objets simples, mais on va essayer de pousser un peu plus, avec la mouette notamment. Non, j'ai Zioté qui streamait. Ok, d'accord, ça c'est marrant. Eh ben, je te retiens pas plus longtemps, merci encore pour ton raid. Faut que je m'y mette aussi à Blender, tu vas voir, c'est trop cool. Merci Tarvalagnon. Tarvalagnon. Tarvalagnon, ça fait penser à Tarvalon de la roue du temps. Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Allez, zou. Des bisous. Bah, de toute façon, en fait, nous aussi, on allait arrêter là. En vrai, on s'est mangé un raid, mais on allait s'arrêter là. Donc, à mon tour, je vais regarder chez qui je vous envoie. Hop. Tu, 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 tu. Qui fait quoi sur le streaming de Twitch? Je meuble comme je peux. Hein. Est-ce qu'on reste dans les arts?
Il y a PM qui dessine, tiens. Il fait quoi? Il fait des stickers. Ok. Est-ce que je vous envoie vers du dev pour faire la transition avec tout à l'heure ou est-ce qu'on fait autre chose? Ah sinon il y a Linkus qui fait de la peinture sur figue. Ça peut être cool aussi. Pour rester dans le domaine de l'artistique, mais un peu différent. Vous savez quoi? Ouais, voir. Linkus, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est notamment le MJ des émissions. Enfin des émissions, oui. Des émissions de JDR de AlphaCast. Hop. Il fait du gaming, mais il fait aussi un petit peu de peinture de figurines. Et il est plutôt talentueux, hein. Pas se le cacher. Et il fait un peu de gaming aussi. Et je crois que c'est tout. Il fait du... Non, je crois que c'est tout. Il fait de la peinture sur fig, du blabla et du gaming. Enfin voilà, donc on va aller voir. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un follow. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. On se dit rendez-vous tout à l'heure à 14h hein, pour faire du game dev. J'ai même pas changé de scène. Faut que j'aille dormir. Dormir, c'est bien. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, soyez sages. À tout à l'heure.